Chers amis, bonjour, bonsoir si vous prenez l'émission en rediffusion. Heureuse de vous retrouver. Alors, nous avons un mois de mai très chargé. On va essayer d'étayer, de vous présenter un certain nombre d'événements. Mais vous souhaitez d'abord un bon mois de mai. Parce que c'est le mois, c'est notre mois, le mois de nos luttes, le mois de nos ancêtres. Le mois qui nous rappelle que rien ne nous a jamais été donné, que nous nous sommes battus, que nos ancêtres nous ont légué ce qu'ils pouvaient nous laisser compte tenu de la société dans laquelle ils vivaient. Enfin, tout ce qu'on peut appeler une société, une plantation. Mais aujourd'hui, nous faisons de mieux en mieux, nous sommes de plus en plus instruits, nous avons de plus en plus de gens engagés et nous avons des luttes qui se sont traditionnalisées. Donc, nous irons aujourd'hui, enfin nous irons dans ce mois de mai, il y a beaucoup de choses importantes qui vont se passer, mais avant de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, je passe la parole à Myriam Malsa, bonsoir, qui est notre invitée pour nous parler du convoi. Après, je vous présente les autres invités. Myriam, bonsoir. Bonsoir Juliette, merci à Zouk TV de nous accueillir ici, encore une fois, pour présenter le convoi bas réparation, 24e convoi. Le mire de chaque mois de mai, depuis 24 ans, a pour tradition de démarrer son convoi donc à Sainte-Anne. Donc cette année, ça se fera le 13 mai. À Val d'Or, à l'habitation de Val d'Or, à Sainte-Anne, le départ. Donc 18h30. Mais avant, le thème du convoi, c'est... Voilà, alors le thème du convoi, c'est réparation pour Palantir Machucom Peinou. Voilà. Donc cette année, on met un point d'ordre à mettre en évidence en fait notre patrimoine. Donc Adikonou, que nous a fait et puis nous n'y connaissons et puis même avant l'esclavage qui a fait que nous n'y science là, nous n'y potalence intellectuelle là, donc là nous qu'a imité ça d'ouvant et puis les agriculteurs, les marins pêcheurs, les artisans De notre pays, donc chaque soir du 13 au 21 mai il y aura l'intervention de Mamaï Potalan Peinou qui a goumin pour valoriser patrimoine paysan Machucom paysan. Ah, c'est le Peinou besoin de nous en ouvrier d'ouvant. Oui. Le sous-titre. C'est ça. D'accord. Alors, parlez-nous des temps forts. Les temps forts, donc ce sera bien évidemment... Alors, je tiens à préciser aussi que chaque année, nous avons un parrain, une marraine dans le cadre de ce convoi. Et cette année, c'est donc Jean-Guy Cauvert, qui est un photographe, un artiste, qui nous suit depuis le début du convoi, qui sublime en fait le convoi grâce à ses photos. Toutes nos manifestations. C'est ça. Pas que le convoi à bas réparation, mais toutes les manifestations du pays, toute lutte qui a faite dans le pays. Donc nous tiennent à mettre à l'honneur, merci Jean-Guy. Et puis, un autre potalant, c'est Véronique Monjean, qui est une agricultrice, en maman et mon rouge, qui a dû baquer depuis des années pour payer ça, nourrir mon maman et pays. Et ils mènent en lutte puisque yo Oti Pété à Providence, Mon Rouge, et puis d'autres Mamaï, d'autres Agriquité, Monsieur Bernard connaît ça bien. Oui. Donc voilà, donc nous avons mis ces démontales à l'honneur. Et donc nous avons commencé le 13 mai, Sainte-Anne, donc 6h30. Et Kaini Mamaï Guadeloupe qui est là et puis nous. C'est déjà lundi prochain. Oui, lundi prochain, Kaini Mamaï Guadeloupe et puis nous, membre présidente le CIPN, Comité International des Peuples Noirs, qui vient de la Guadeloupe. Jacqueline Jacré. Oui. Et Kaini aussi Michel Lucrinette qui a suivi le combat à la dépine et qui est là. Donc voilà, donc départ là et puis chaque jour au souhait nous nie des étapes. Et donc dans l'ICI, nous qui avons fait après la rivière pilote, ensuite nous qui allons aller pas côté... La rivière pilote, hommage aux héros de septembre 70. Oui. Ok.
Ok, donc il y a quelqu'un qui présente à chaque fois. D'accord? Voilà, qui présente. Donc d'accord. Là, ça qu'est Missy Bourgade et Missy Rouma Bélé. Après, nous qu'est allé Dicos. Et là, là qu'est une intervention, Mama Ella Sopama sous Potalance Mangle, Mangouavnou. Et puis. Une association indispensable au pays. Oui, hein? Qui a mené des luttes qui fondamentales, bah, survie nous. Donc, et puis après, nous qu'est allé Roubaix. Jeudi 16 mai. Mm-hmm. Donc là, nous rendons hommage à la terre, et puis en mai, et puis en marin pêché, et puis en Missé qui a produit, qui a fait des produits dérivés, Missé Coco. Donc voilà. Après, donc le vendredi 17 mai, nous avons Foyal. Donc là, il y a une intervention de mon Maïla Artisanat. Et à la Joyau, à la Joyau, cimetière de la Joyau, et là nous qu'a fait étape là, nous qu'a fait qu'on nous un point d'honneur d'aller rendre hommage à Césaire, et en état là nous qu'a rendre hommage aussi à Liker, parce que yo même yo tout le monde pas savent ça, mais il était aussi la Joyau, donc oui. Césaire à Liker, nous qui était hommage. Le maire adjoint pratiquement le plus souvent, parce que Césaire était député, il était à l'Assemblée. Voilà, donc Chaque jour, il y a un gros papier. Hein. Ça, c'est important. Alors, d'accord. Au-delà de gros papier, ben, nous, c'est des mouvements culturels. C'est-à-dire que c'est des mamaïs, c'est pas juste jouer musique. Mm-hmm. C'est-à-dire que Yoni, dans le fonctionnement Yo, Yo les transmet, mamaïs qui a vini jouer, bagay paya, quoi, mes paya, donc c'est pouti. Nous qui travaillons et puis c'est mon maïta là. Et nous qui remercions hein, de dire nous chaque année oui pour venir participer à convoi bah, réparation. Mm-hmm. Donc d'ailleurs, donc mon pas cité yo, donc ni défoulement qui est là à Sainte-Anne, qui est ni s'enchaîne, qui est ni Tambou-Bocanal, Voukoum qui a venu de la Guadeloupe, qui depuis 24 l'année qui a venu et puis nous. Mm-hmm. Donc là, il y a venir les pois koyo et qui a une marronnage qui a fait plaisir à Pépinou et colibri aussi qui est là. Donc voilà. Alors, le samedi 18, c'est un point fort. Ah ouais, c'est un temps fort. Le samedi 18, ça a fait l'IMS, l'Institut Martinique du Sport, donc au Lamantin. Et là, nous avons fait en Saint-Joun un beau cantage, mais aussi qu'il y a un village. Donc, Jouta là, qu'il y a une plaisir atelier avant tout, donc l'artisanat, l'agriculture, aussi la pêche, et puis des mamailles professionnels pour réfléchir non pas uniquement à qui ça qui pas qu'à aller, mais qui ça nous peut faire pour voyer devant toute cette activité là et faire en sorte que mamaï paya tout n'est plus koyo à ben manger bagay paya. Et puis donc nous qui parler surtout de circuit court, de ouais comment dire, toute l'artisanat, tout l'artisanat, voilà. Et joute à là qu'il y a un village aussi, donc des artisans, des mounes qui vendent produits textiles, tout ça, qui est là. Et d'ailleurs, on a profité pour faire appel à ces artisans-là qui sont intéressés, donc de crier le MIR. Donc, vous pouvez trouver, contacte-nous, on les site internet mirmartinique.com. Donc, pour avoir un point de vente. Pour il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. Hein. Donc, et puis la conférence du 18. Voilà. Et donc, et après ça, donc l'après-midi, pour nous en conférence, et puis, monsieur Dominique Monotuka, on les. Comment pas l'entier société, nous. Donc, il y a nous plus de détails, on laisse ça. Et voilà. Donc, et l'apothéose, c'est le dernier jour, le vendredi. Alors, l'apothéose. Ça va être le jeudi 21. Non, alors, ni en l'autre enfant, qui c'est le lundi. Oui. Le lundi 20, nous avons mon rouge. Nous avons hommage à les mamans qui ont chipé tête providence, donc de Nevey à 4h de l'après-midi. Donc là, nous avons découverte, exploitation, providence. Nous avons en projection film allant tout l'histoire, en fait, les agriculteurs qui ont chipé tête à là. Et puis, nous avons aussi en animation musicale. Donc nous avons demandé les mounans, vini. Une journée de 9h bon à 16h. Voilà, 4h. Après. Donc, yokayo fait nous dachine, tout ça, donc poté, viande, poisson, yo, donc tout ça. Donc, c'est ça c'est le lundi 20 mai. Et puis, mardi 21 mai, donc c'est dernière étape là,
ni toujours le monde, donc nous avons parti de Saint-Pierre pour arriver, prêcher pour ben, l'hommage à toutes les mamans qui font l'esclavage. À Saint-Pierre, d'où est partie justement voilà. la révolte contre l'esclavage. Voilà, c'est ça. Donc, le groupe Marronnage et puis Colibri qui a accompagné nous, tout à l'heure. Donc, c'est un programme effectivement très chargé. Les mamans, ils peuvent avoir le programme sur le site du MIR, le télécharger. Voilà. Pour voir, parce que là, moi, je l'ai en noir et blanc, mais il est en couleur, il est beaucoup plus beau. Et puis, voir, il y a un historique du MIR, qu'est-ce que c'est? Et puis, depuis combien de temps le convoi existe? Je prends la langue coloniale parce que nous avons des amis de partout qui nous écoutent, ouais, pour que nous soyons un petit peu voilà, à l'unisson. Mais ils peuvent télécharger donc le flyer de ce 24e convoi sur le site du MIR. Exact. Hein? Ouais. MIRMartinique.com. MIRMartinique.com. C'est ouais. Tout collé? Tout collé. MIRMartinique, tout collé.com. Téléchargez le programme et n'hésitez pas à venir. C'est une ambiance que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Elle est à la fois spirituelle, elle est aussi parce que nos ancêtres sont piétinés toujours sur les plantations. Il n'y a aucune sphère pour leur rendre hommage. Donc, je crois d'ailleurs que nous allons un peu mieux parce que nous avons commencé à prendre très au sérieux cette histoire-là, que nous marchons sur nos ancêtres et que personne dans cette société ne se préoccupe de leur donner une véritable, je ne sais pas, une stèle ou une quoi, comment on appelle ça, là où on peut venir rendre hommage à un lieu où on peut venir leur rendre hommage et peut-être qu'on commence à faire ça tout doucement. Donc voilà, merci pour merci. Ce beau programme. Merci, Anchaï. Et puis, ok, continuez. À partir de lundi, donc qu'avez-nous? Alors, mettez-vous au pas avec de bonnes chaussures, voilà, de l'eau. Et puis, il y a le discours d'ouverture de M. Malsa sur la nécessité de sauver les salines. Vous savez que les salines sont en danger. Donc, ça sera très important de l'écouter à l'ouverture de ce convoi 24, enfin le 24e. D'accord? Merci, Myriam. Merci beaucoup. Et puis, bon après-midi. Merci. Voilà. Ouais. Et puis, on se voit sur, voilà, sur les routes. Pour connecter nos énergies et nous envoyer, parce qu'on marche beaucoup. Hein. Il y a des étapes qui sont très longues, mais c'est très sportif aussi. Hein. C'est très rapide. Avec les gros papiers, il faut vraiment se donner. Hein. Mais c'est très bien, c'est vraiment une bonne ambiance. On sort de là avec le sentiment qu'on a été réénergétisé et qu'on est moralement propre. C'est important. Merci, okay. Myriam. Merci. Au plaisir. D'accord. Hein? Donc, on va laisser Myriam s'en aller parce qu'elle a dû passer en premier, parce qu'elle travaille et qu'elle elle a bien voulu venir nous présenter le programme, mais elle doit nous quitter. D'accord. Donc, on va faire entrer quelqu'un d'autre. D'accord. Merci, Myriam. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vous présente maintenant mes autres invités, qui sont quatre sur le plateau et qui ont plein de bonnes choses à nous dire. L'un vient pour son livre. Bonsoir, Patrick Bernard. Bonsoir, heureux d'être là. Heureux. Merci pour l'invitation. Voilà, donc il va nous présenter son ouvrage « Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité ». C'est un recueil de pensées, voilà. On le voit à l'écran. Un recueil de pensées qui nous fait penser, parfois qui nous prend au dépourvu, mais on va en parler puisqu'il est là pour ça, pour le présenter. Merci d'être venu. Merci. Et puis j'ai trois dames magnifiques qui vont nous parler d'un voyage qu'elles ont fait en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai demandé souvent à des gens de venir témoigner pour donner envie aux nôtres, d'abord pour connaître et à travers les yeux de ceux qui ont visité, pour connaître et pour donner envie, et peut-être aussi pour, détoxifier les préjugés qu'il y a sur le continent, puisque beaucoup de gens vous diront je ne veux pas en Afrique, c'est les gros ventres, les maladies, les mouches, c'est ça. Et pour un peu détruire ces préjugés, j'ai toujours demandé aux gens qui ont voyagé de venir dire un peu ce qu'ils ont vu. Donc, je reçois, donc c'est Claudine. Claudine Beauroy. Beauroy. Voilà. Dites aux téléspectateurs deux mots sur vous rapidement. Ben voilà, je
Je ne vais pas dire mon âge. Hein. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Donc, je m'appelle Claudine Beaurois. Je suis née à Abidjan en... Non, je ne dirais pas l'année. Je suis née à Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui. Et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au bac. D'accord. Et voilà, j'ai passé toute ma jeunesse en Côte d'Ivoire, à Abidjan. D'accord. Toute la, ça, c'est la jeunesse. Exactement. Vous parlez une des langues, non? Ah, non, pas du tout. Ok. Non. Vous non, étiez au lycée que, français non, pas spécialement en français, mais c'était le lycée classique d'Abidjan. Oui. Et c'est-à-dire que là-bas, il y a tellement de dialectes, il y a tellement d'ethnies, il y en a plus de 60, que c'est compliqué de pouvoir parler une langue. En fait, il n'y a pas une langue qui prédomine. Oui. Donc la langue, évidemment, c'est le français. C'est ça. Donc tout le monde parle français, et c'est la langue qu'on pratique. Hein, dans l'enseignement aussi. Voilà. D'accord. Ah oui, tout à fait. Merci. Et vous alors? Alors, je me présente, je suis Viviane Desroses, la sœur à Claudine. Claudine. Je suis née également en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas née à Abidjan, comme Claudine. Je suis née à Daloa, car il faut dire que nos parents ont voyagé. Ils étaient au Sénégal. Ils étaient diplomates? Je dirais coopérants. D'accord. Coopérants, État français, voilà, envoyés de la fonction... Et qui était, mon père étant ingénieur des ponts et chaussées, il avait eu cette opportunité à l'époque sortie des mines, d'avoir cette proposition à l'époque où, sous la présidence Zoufouad Boigny, de venir travailler au niveau des ministères d'urbanisme, construction et aménagement du territoire. C'est en ce sens qu'en tant qu'ingénieur, il a eu à travailler en Afrique. Ils ont vécu quand même une quarantaine d'années, en commençant par le Sénégal. Et vos deux parents sont martiniquais? Alors, mon père, notre père est martiniquais, notre maman est guadeloupéenne. D'accord. Et nous avons eu ce bonheur de naître en Afrique, ce qui nous enrichit. Voilà, plus. Tout à fait. Ils se sont rencontrés à Paris, puisque mon père était étudiant, là, comme je vous disais, à l'école des mines, et ma mère était à la Sorbonne, elle était professeure d'anglais. Donc, c'est lors de leurs études parisiennes qu'ils ont fait connaissance, qui se sont mariés et qui ont eu sur à l'initiative de mon père cette proposition d'aller vivre en Afrique. Et finalement, ils y sont restés longtemps, hein, puisque je disais une quarantaine d'années. Oui. Donc, ils ont commencé en premier lieu au Sénégal, où est née notre sœur aînée. On est quatre filles, hein, pour tout dire. On a même été cinq. On a perdu notre dernière sœur. Et après, ils ont été. Mon père a été affecté parce que ma mère le suivait, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont fait plusieurs villes. Ils ont fait Boaké, ils ont fait Daloa, ils ont fait Abidjan. Et donc, moi, je suis née à Daloa. Au moment où mon père était en affectation sur Daloa, j'y suis née. Dans la quatrième de la famille. Et puis après, ils ont terminé sur Abidjan. Et donc, voilà quoi. Donc, comme Claudine, mon enfance a été bercée par... je dirais, par cette africanité, ces relations, ses racines, hein. Je crois qu'on se construit, je pense que les 20 premières années d'une vie vous forgent complètement, vous imprègnent. Et c'est clair qu'on ne s'en départit pas comme ça. C'est ça. En tout cas, je vous en parlez avec bonheur. Et ça, tout à fait. Oui, on laisse. Vous voyez, chers téléspectateurs. Parler, ça me vitamine. Oui. Vous voyez, chers téléspectateurs, j'ai sur le plateau des invités dont je ne sais rien et que je découvre avec. Peut-être, j'espère, autant de plaisir que vous. Et elles nous préparent donc de bonnes choses, puisque nous avons... elles vont nous parler de leur voyage, leur dernier voyage, et nous montrer quelques images. Et il s'agit aussi pour vous de prendre goût à vos racines, parce que je sais que vous vous racontez un tas d'histoires, que c'est jamais très net dans vos têtes, hein, quand on parle d'Afrique. Il y a toutes sortes d'étincelles. Donc, c'est pour justement vous montrer que... Au contraire, tous les autres sont en train de faire main basse sur le continent, sauf vous. Hein, et il est à vous, puisque vous venez de ce continent. Il est à vous aussi. Et vous, Shamsi, bonjour. Oui. Bonjour. Alors, je m'appelle Shamsi Bourra. Je suis la fille de Claudine. Et j'ai grandi avec le savoir donc, que ma mère est née en Côte d'Ivoire. Une subtilité que j'avais pas très bien compris.
C'est-à-dire que ma mère était ivoirienne pour moi. Donc à chaque fois, je disais, oui, ma mère, elle est née en Côte d'Ivoire. Parce que je trouvais ça super stylé. Ah, oui. Et les gens me disaient, du coup, tes grands-parents sont ivoiriens aussi. J'étais là, non, 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 ils sont Martinique et Guadeloupe. Ah, donc elle n'est pas vraiment ivoirienne. Je dis, si, elle est vraiment ivoirienne. Donc voilà, ça a pris un peu de temps que je comprenne vraiment venir de quelque part, être née quelque part. C'est ça. Mais quand on connaît maman et mes tantes, on voit qu'elles ont vécu quelque chose de différent des gens d'ici. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi dans l'amour, le respect et une très grande envie d'aller en Afrique pour découvrir leur pays. Donc, on a pu enfin le faire cette année. C'était un projet qu'on a voulu concrétiser pendant depuis très longtemps depuis que je suis toute petite. Maman nous a toujours dit, mon Dieu, je rêve de vous faire découvrir mon pays, je rêve qu'on puisse y aller. Il y a eu de la stabilité politique là-bas, il y a une guerre et puis les moyens. Donc ça a pris un peu de temps, mais au final enfin on a pu le faire cette année. C'était donc, magnifique. Alors moi je remercie donc la Popo qui m'a parlé de vous, de votre voyage et qui m'a donné l'idée de vous inviter. Donc, je suis très contente de ça. En tout cas, honorée, en tout cas. Oui, il était très content d'être avec vous. Hein. Ça, on a passé un super moment. Hein. Il était enchanté. Il m'a dit que ça pourrait vous intéresser de venir parler à nos téléspectateurs de cette... justement, quand j'entends Shamsi en parler, je sens que... il y a de la beauté. C'est très rare qu'on nous parle de l'Afrique et que ce sentiment de beauté... d'envie de retourner, cette esthétique en fait même de l'environnement fasse partie du discours du narratif sur l'Afrique. Donc je suis très contente pour nos téléspectateurs qui ont encore des petits clous dans la tête. Donc on va essayer de dégager tout ça. Maintenant moi j'ai deux petites choses à vous dire, si vous permettez, deux petites choses à vous dire. Je voulais vous signaler que les vacances d'Isis, c'est sorti en album, vous voyez, grand comme ça. Comme une bande. Oh, Manuela a fait une belle photo et elle vous la présente directement à l'écran. Et c'est un album. Un livre pour adolescents, mais beaucoup pour les parents, à lire en tout cas avec les ados et les enfants pour leur donner l'envie de. D'abord, leur parler de. Leur histoire, l'esclavage, les prénoms, comment, pourquoi c'est important, la relation avec les autres, en l'occurrence, avec les petits Européens, le racisme, et comment, énormément de choses qui ont un lien avec la connaissance de soi, pourquoi les blancs rougis, c'est nous, on fait quoi quand on parle de nous, qu'on n'a pas la peau foncée, la peau claire, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de petites choses qui sont pédagogiques pour les enseignants et pour les parents. Mais c'est bien de le lire avec les enfants. Donc vous le trouvez à la Wery Boutique de Saint-Joseph, dont je vous ai déjà parlé, et à la FNAC, parce que je vous ai signalé que Cultura, sans m'expliquer pourquoi, ne veut plus de mes livres. Voilà, et je connais... Je sais, dans mon pays, on me persécute depuis tellement longtemps que, continuez, je trouve des voies de, comment on appelle ça, de délestage. Voilà. Je voulais aussi vous signaler cette petite revue-là. Elle n'est pas sur l'écran parce que je ne l'ai pas montrée à Manuela, mais c'est la revue Racine qui est réalisée par nos amis de la Guadeloupe, nos frères et sœurs de la Guadeloupe. Ça s'appelle Racine et... C'est une petite revue, elle est très mince, mais elle est très, très, très documentée. Et pour vous qui n'aimez pas les livres ou qui n'aimez pas beaucoup lire, vous avez beaucoup de thématiques abordées, mais vraiment de manière... ce sont des personnes formées, historiens, médecins, etc., qui le font, qui l'écrivent, qui le réalisent. Et c'est un vrai beau document à avoir. Et donc, ça s'appelle « Racine ». Ce numéro, par exemple, c'est la malédiction de Cham, mythe ou réalité. Il y a beaucoup, tous les thèmes qui touchent à notre peuple sont traités donc, dans cette petite revue, très mince, vous voyez, et très nécessaire, réalisée par nos amis de Guadeloupe. Vous la trouvez donc à Wery Boutique à Saint-Joseph, et puis à Tamery, à la librairie Tamery à Paris.
si vous cherchez, si vous la cherchez, et puis en Guadeloupe, naturellement, peut-être dans plus de lieux, d'accord ? Maintenant, je voulais vous parler de... N'oubliez pas ma chaîne YouTube, hein, faut y aller, hein, et puis vous abonner. Bon, c'est pas une obligation, mais bon, si vous y allez et que vous vous abonnez, vous aurez des notifications sur mes émissions, par exemple. Ça serait d'utilité publique. Ensuite, je voulais vous parler de la Oui Oui Boutique, je vous en ai déjà dit deux mots, hein, à Saint-Joseph, qui vend des livres sur nos problématiques qu'il faut voir et qui vend des bijoux, des vêtements, des aliments, enfin des choses, des cosmétiques, beaucoup de choses qui sont fabriquées par des artisans d'ici ou d'Afrique. Je sais que Clapopo, qui en est le gérant, et lui, ou plus que le gérant, je crois, il se rend en Afrique régulièrement, en Côte d'Ivoire, parce qu'il est ivoirien, et qu'il ramène des produits et des vêtements de Côte d'Ivoire. J'avais trouvé d'ailleurs cette jolie tunique que je porte dans les rayons de Oui Oui Boutique. Voilà, donc vous allez trouver de belles choses, n'hésitez pas à y aller, et les livres, les revues se trouvent aussi là-bas. Maintenant, je voulais vous parler de la décennie des personnes d'ascendance africaine qui se termine et qui malheureusement n'a pas eu d'écho chez nous. Alors, peu de gens savent que cette décennie a existé. Je ne sais pas si vous savez. Vous n'en avez pas entendu parler. Non, malheureusement. C'est, j'ai fait la même expérience en Guadeloupe, à Paris. Les gens ne savent pas. Pourtant, c'est une décennie qui a été décrétée. 10 ans, qui se termine en 2024, qui a été décrétée par l'Assemblée générale de l'ONU. À la demande, après la conférence de comment s'appelle ce pays d'Afrique du Sud, la conférence de 2001 où il y avait la ville m'échappe, mais c'était sur la demande d'Africains, d'intellectuels, de personnes qui pensaient qu'il fallait que l'Europe, qui a pillé et saigné à blanc les peuples noirs, se donne un peu la peine de proposer aux pays qui avaient participé à ce scandale à ciel ouvert de se racheter quelque peu. Et donc, il y a eu c'est un gros document, je ne sais plus, c'est qui décrétait, enfin qui explique comment, dans quel terme cette décennie devrait se dérouler et ce que les États avaient à faire, les États qui avaient donc des populations afro-descendantes en leur sein, les États européens naturellement et américains. Et donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de données qui sont justement le fruit du travail de nos frères du continent et d'Amérique, de la Caraïbe, etc. Puisque c'était lors de cette conférence en Afrique du Sud que tous les problèmes qui réunissaient tous les États, il y a eu beaucoup de résistance d'ailleurs des États occidentaux, d'Israël aussi, je sais qu'il y a eu vraiment des résistances, mais enfin, ça avait été voté. Il fallait qu'il y ait cette décennie. Cette décennie arrive à Martinique, on demande aux mairies, à quelques personnes de nous permettre de la présenter. Donc il y a deux mairies, je pense que ce sont plutôt des bibliothèques, ou comment ça s'appelle qui tiennent lieu de bibliothèque aujourd'hui. Les médiathèques. Saint-Esprit et Morne-Rouge, qui nous ont autorisés à présenter, mais on avait un tout petit public au Morne-Rouge, parce que les gens, la thématique ne leur parlait peut-être pas trop, mais enfin, ça a été autorisé, et au Saint-Esprit, il y avait un public plus large, mais voilà, on a pu présenter cette décennie. En lien avec le CNR, Comité National pour les Réparations. Et on n'a pas eu d'écho d'autres personnes qui se soient, peut-être Fort-de-France un peu. Je crois que Fort-de-France avait permis, en tout cas, qu'on organise des réunions avec la DIPA pour présenter cette manifestation. Et du coup, on s'est retrouvés donc à demander, proposer, sans qu'il y ait de retour. Et j'ai entendu une fois la maire de Basse-Pointe dire que
accorder de l'importance ou bien donner des réponses à de telles demandes, c'était diviser la population. Donc, je suis très étonnée parce qu'en 10 ans, aucun de nos élus, aucune de nos élus n'a trouvé le moyen de ne serait-ce que faire connaître. Je ne peux pas comprendre que la décennie se termine et que personne n'en sache rien. C'est parce que nos élus n'ont pas fait leur travail. Je m'étonne de cela parce que qu'on dise que ça divise la population, parce que nous avons chez nous une petite composante indienne et je vois qu'il y a des récupérations politiciennes de l'existence de cette petite composante qui n'est pas une communauté dont je sais beaucoup parce que il y a chaque année des manifestations, des troupes qu'on fait venir de l'Inde ou de France et qui sont financés avec l'argent public. Je n'ai rien contre ces événements-là. Je veux juste savoir pourquoi les Indos, descendants de la Martinique, ont droit à ces faveurs et pas les autres, parce que si il s'agit de traiter les Indos descendants qui sont des Martiniquais comme une sorte de composante, une excroissance de notre société, je veux comprendre le sens du combat que nous avons mené dans les années 80-90 pour justement réhabiliter la dignité de cette composante dont, je vous rappelle, je suis en partie issue. Nous avons, à travers l'association qui s'appelait l'ACMI, Association culturelle martiniquaine, nous nous sommes battus pendant plus de 10 ans avec des personnes comme Michel Ponama, Antoine Nicole, Liliane Mangatal, etc., pour que la société reconnaisse cette composante et lui fasse une place, puisqu'elle était piétinée, littéralement piétinée. Nous nous sommes battus pour ça. Mais nous nous sommes battus pour que ça soit une composante qui fasse partie de la société, qui soit reconnue comme telle et qui se préoccupe de sa société. Et non pas pour que quelques politiciens récupèrent cette composante pour faire je ne sais quel marché, parce que les Indiens n'ont pas vocation à être en dehors des composantes fondatrices de la société, qui sont d'abord les Africains, afro-descendants, les Békés, les colons français et les Indo-descendants, ou Indiens, comme ils s'appellent aujourd'hui. Je rappelle que pour être Indien, il faut venir d'un pays qui est l'Inde, qui c'est une nationalité. Donc dire qu'on est des Indiens en Martinique, c'est aussi problématique. Donc je demande à nos politiques pourquoi ils ont les moyens de faire justement cette politique partisane qui, à mon avis, est de la récupération et pas celle de s'occuper de la composante majoritaire de notre société qui aurait mérité pendant ces 10 ans qu'on lui accorde même la venue de groupes. On me dira qu'on n'a pas d'argent. L'argent public sert bien à faire venir des troupes de l'Inde, etc. Je n'ai rien, qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Les Indiens n'ont pas vocation à être une excroissance de nos sociétés comme le sont les Békés. Les Indiens sont des gens qui ont été, après l'esclavage, traités comme des esclaves. Et ce sont des gens, une composante qui a construit cette société et qui n'a pas vocation à être exotisée ni à être utilisée dans je ne sais quel projet qui me paraît absolument délétère, et je le dis parce que moi je suis à l'origine de cette association dont l'objectif et tous mes travaux de doctorat et mes livres, j'ai 3 gros livres sur cette condition. D'ailleurs, quand on travaille sur les Indos descendants en Martinique, on va chercher dans ces livres-là. Donc je demande à nos sociétés de ne pas exotiser une partie de sa population, de ne pas nous tribaliser comme la France le veut. Et si elle veut tribaliser la société, qu'elle en fasse de même pour les Chinois, pour les Syro-Libanais, pour les, je ne sais, les Haïtiens qui nous donnent à boire et à manger. Peut-être. Peut-être pas à boire, mais à manger en tout cas. Je demande que toutes ces composantes-là, à ce moment-là, soient mises à l'honneur. Parce que je veux comprendre, et j'espère que les Indo-descendants comprennent que ce type de traitement, de manière qu'a la société de les traiter, c'est les mettre à part. Et ils ne sont pas, ils ne doivent pas être à part. Les 3/4 des descendants sont des Afro-descendants.
Donc la décennie des personnes d'ascendance africaine les concerne. Et leur place n'est pas dans la marge de la société, mais dans la société où nous luttons pour nos droits sociaux, contre le chlordécone, contre les problèmes qui touchent et dont bénéficient tous ceux qui viennent seulement prendre dans notre société, notamment les Français de France. Donc je demande que les Indo-Martiniquais se ressaisissent, que les politiques, avec leurs politiques politiciennes, sachent bien qu'on ne peut pas utiliser l'argent public pour une partie des gens et pas pour les autres. Et je veux comprendre pourquoi, à quoi correspond cette mise à l'écart de cette composante qui est indo, qui est indo-afro-martiniquaise. Voilà. Donc ça, c'était... J'ai déjà poussé une fois un coup de gueule. Je vous avais dit que j'en aurais d'autres. Et je parle là à nos élus. Et je demande aussi à notre composante, les petits descendants, enfin la petite composante indo-descendante que nous avons, eh bien qu'elle s'occupe de sa société. Parce qu'elle est menacée. Elle est en danger aujourd'hui. Et notre rôle, c'est de nous occuper, de préserver ce que nos ancêtres, africains d'abord, indiens ensuite, ont travaillé pour avoir une partie du gâteau que les autres se sont appropriés et d'ailleurs qu'ils gèrent en maîtres, puisqu'on parle bien des maîtres de la Martinique. Voilà, un peu, allons être pas des tribaux, des tribus qui vivent ensemble. Chacun fait son petit truc, les mulattes par là, les béquets de l'autre côté, les indiens maintenant. Qui est-ce que vous allez tribaliser prochainement? Dites-moi, puisque la France n'a jamais régné que sur des tribus, en divisant les gens, en les empêchant d'être un peuple. Nous sommes un peuple, à quelque niveau que vous abordiez le problème. C'est cela que nous avons envie de vous dire, chers élus. Et ne me dites pas que vous n'avez pas trouvé les moyens de faire, en 10 ans, venir une seule troupe du continent, ne serait-ce que pour nous dire que, eh bien, il y a bien une décennie, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Mais voilà, nous sommes essentiellement des afrodescendants. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne s'occuperait pas de cette décennie-là? Au moins pour dire à l'ONU, voilà, vous avez pris une décision, mais oui, ben, vous n'avez pas donné de moyens à l'ONU. On aurait pu se mettre ensemble pour vous dire, allez, lâchez un peu quelques financements. Vous n'avez pas fait. Bon, voilà. J'en ai terminé pour vous dire que faisons attention. Nous avons besoin de sauver notre société avec toutes ses composantes. Et attention à ceux qui ne viennent que prendre, profiter, sans donner. C'est cela qui fait que nous avons une partie des gens qui se battent pour nous et nous venons manger à pleine bouche quand les résultats sont là. Non, non, non. Moi, je suis sociologue, je ne vais pas vous dire que... Voilà, je ne suis pas politicienne. Alors... Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, on va parler un peu maintenant d'un autre sujet qui est, je vous ai parlé oui, de, à peu près de ce que je voulais vous dire, d'un ouvrage de Patrick Bernard, donc, qui nous a gratifié de quelque chose qu'il appelle « Recueil de pensées ». Et voilà, que j'ai eu l'honneur de lire, mais bon, il me manque quoi, une petite, peut-être vingtaine, oui, peut-être, voilà. Donc après, quand j'ai vu que je n'arrivais pas jusqu'à la fin, mais j'ai lu l'essentiel parce qu'après j'ai vu que, en fait, il y a beaucoup de, ce qu'on appelle on peut appeler des répétitions, mais comme ce sont des pensées, elles reviennent sous des formes plus ou moins formalisées, mais elles disent la même chose. C'est pour ça que en refeuilletant les quelques pages que je n'ai pas pu lire, je suis plutôt allée au glossaire directement, parce que c'est un ouvrage riche en néologisme. Donc il va vous expliquer. Donc dites-nous, fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. Alors parfois, oui, on a des petits volcans qui explosent, et puis à d'autres moments, on est dans quelque chose qui avance doucement, qui est une observation, on va dire, un petit peu placide de nos réalités. Alors. Oui, mais comme je le traduis, je dis que nous avons cette spontanéité de l'inspiration qui vient se faire au jour, mais qui requiert des fois une maturation, une réflexion pour pouvoir asseoir pleinement sa pensée. Et c'est ce que j'ai tenté de faire à travers cet ouvrage. Oui, non, j'ai vu. J'ai pris beaucoup de notes. C'est bien. Non, c'est que... Voilà, c'est un ouvrage de... Vous voyez, ce sont des phrases. Ça m'a fait penser au livre de Proverbes. Peut-être que ça vous dit quelque chose.
Hein, vous lisez des lignes de texte et qui disent quelque chose. Parce que les proverbes, ce sont des pensées condensées, très condensées, philosophiques et qui signalent un sens de l'observation. D'ailleurs, vous parlez de observer l'observation que vous observez, enfin, oui. D'être vous-même. Donc, il y a beaucoup de réflexion autour de la réflexivité, oui. Hein, c'est-à-dire faire ce que vous faites, mais en observant ce que vous faites, oui. Et pour que ça prenne aussi du sens. Donc j'ai pensé d'abord au proverbe, parce que j'ai lu beaucoup de proverbes et que je trouve que c'est la façon la plus africaine et la plus extraordinaire de dire, parce que ce qu'un Africain peut dire dans un proverbe de lignes, eh bien, souvent les Européens le disent dans des livres de 300 pages. Tout à fait. Oui, parce qu'ils ont passé des millénaires, des millions d'années à observer le genre humain. C'est pour ça qu'ils ont mis l'accent sur le social et pas sur l'individu. Et ce qu'on est en train de faire là actuellement, qui découle complètement la société. Puisqu'une société, c'est d'abord un collectif maillé et il faut qu'on ait le souci de ce maillage. Comme je le disais, ne pas tribaliser les gens. Donc, c'est d'abord beaucoup de ces pensées qui touchent de manière très générale à des problématiques qui sont humaines. Oui, j'observe que, je vois que, etc. Donc, il va d'abord définir le sens de son ouvrage. C'est pour ça que j'ai d'abord pris des formes de notes sous forme de post-it. Il dit donc... ce manuscrit protégé pour la première fois le 27 novembre 1998 traduit l'essentiel d'une vie, d'instant, de contemplation de l'homme dans le monde qui s'exprime, le mot contemplation est important, qui s'exprime à travers ce florilège d'accouchement conceptuel, empirique, poétique, métaphorique, onirique, sociologique, politique, philosophique, théologique, psychologique, éthique, critique, anthropologique, polémique, ontologique, ethnologique, écologique, ironique, lubrique, satirique, humoriste. Bon, quand on a fait le tour de la planète avec ça, oui. Et c'est vrai que le fait qu'il lâche comme ça des pensées qui ne sont pas particulièrement travaillées et qui ne sont pas hiérarchisées, c'est cela qui peut être un peu dérangeant. Elles ne sont pas hiérarchisées, mais... Il est habité de manière lancinante par des thématiques qu'on va voir surgir comme ça de manière très, parfois, amenée de manière un peu, on va dire, non polémiste. Hein? Et puis tout d'un coup, y a des geysers qui vont lâcher leurs étincelles et on va retrouver. Alors, fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité, comme son nom l'indique, portent des regards sans concession sur nous-mêmes, sur nous-mêmes, qui, de son incisive lame tranchante d'objectivité, vient dénoncer cet affaissement pluriel dont lui est consubstantiel cette inversion des valeurs. Donc là, si vous avez lu le livre, vous savez pourquoi il vous dit des choses comme ça. Dénoncer, affaissement pluriel et surtout inversion des valeurs. Parce que dans tout l'ouvrage, donc on aura des phrases comme ça, jetées, je veux dire, à nos faces, et qui nous font sentir que l'auteur porte un jugement sur la façon dont sa société se développe, du mal développement en fait, de la perte des valeurs, et le regard qu'il nous demande, il appelle sans arrêt le lecteur, et d'où il dit, il parle de nous d'ailleurs en termes de les miens, je demande aux miens. Donc il est toujours dans quelque chose d'assez inclusif qui dit « c'est vous, mon peuple, je vous appelle à ». Et un peu comme Césaire disait « mon peuple, quand cesseras-tu d'être le carnaval des autres ?» Eh bien lui, il est là à dire, à nous appeler sans arrêt
à prendre garde à ce monde-là qui nous noie. Mais il est à la fois donc sur le plan moral, sur le plan politique. Mon peuple, nous sommes en train de disparaître, on nous dilue, il faut qu'on soit là, qu'on se réveille, qu'on sorte de cet esprit de domination. Parce qu'il la considère comme étant à la fois, nos comportements comme étant à la fois des manières de se comporter qui rappellent l'attachement au bourreau, c'est-à-dire le syndrome de Stockholm. Et en même temps, voilà, une certaine mollesse, le sentiment que nous ne saisissons pas les drames que nous vivons, que la réalité nous échappe, qu'on n'est pas assez, et puis on n'est pas vigilant, et puis que les choses nous arrivent quand explosent à nos visages, etc. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à prendre. Maintenant, c'est une forme de lecture qui est particulière, mais quand il parle de nous, quand il parle, par exemple, de notre condition, on est souvent... il est souvent dans quelque chose de plus élaboré. Et ce qu'il fait, qui est très systématique et intéressant, c'est cette sorte de conjonction, de rapprochement avec, de connexion avec le continent. C'est-à-dire qu'en aucun moment, il ne nous analyse, il n'approche notre réalité en dehors du continent. Parce que ce que les gens refusent de faire ici, et qui est une erreur à mon avis, c'est de considérer la politique coloniale de la France de manière globale. On dit aux Antilles, on est un peu une engeance particulière, on est des gens, hein, et puis c'est comme on faisait avec la Guadeloupe, c'est des bonhommes de la Guadeloupe. Donc nous, on va considérer l'Afrique comme les bonhommes, et nous, on serait les seigneurs ou les messieurs, etc. Eh bien, Patrick Bernard casse un peu cette forme d'approche, et il nous rappelle sans arrêt notre continent mère. Elle est là, il est là, ou elle est là, si on la féminise, mais dans les mêmes, les mêmes tribulations que nous. Et c'est pour cela que nous avons du mal à avoir une maman qui nous protège. Et je crois que c'est ça le drame de la colonisation, cette colonisation-ci. Et c'est que... à la limite, nous qui sommes conscients, qui avons peut-être parfois un peu de force, eh bien, nous sommes appelés à renforcer les rangs pour aider le continent mère. Et c'est ça un peu qui fait qu'on est toujours analysé conjointement. Donc, il a ces formes de... Je ne sais pas maintenant, je vous laisse... Je voulais dire ouvrage bipartite, hein, comprenant dans un premier temps essentiellement des pensées, des regards ponctués de courtes réflexions, et dans un second temps, un lexique des néologismes, hein, qu'on trouve à la fin. Et c'est vrai que ça vaut le coup d'y regarder de près. Donc, un lexique des néologismes, ou concept que nous avons accouché, visant une meilleure compréhension à l'endroit du lecteur de ces derniers quand ils viennent à se faire jour au gré des pensées ou autres réflexions contenues dans cet ouvrage. Mot pour mot. Oui, c'était le précédent ouvrage, hein, parce qu'il y a eu deux volumes, le volume 1, le volume 2, et puis... Mais j'aime toujours, en fait, la pensée, c'est toujours une continuité, hein. Nous cheminons avec nos pensées, donc nous retrouvons toujours nos assises dans ce que nous avons pu faire auparavant. Donc j'ai toujours ce lien avec mes ouvrages précédents. J'ai toujours quelque chose en référence aux ouvrages précédents. Et c'en est un exemple. Mmh. Et cette manière d'écrire, pourquoi ? Alors, je crois que ça découle un peu de mon caractère, c'est-à-dire que je n'ai pas l'endurance du romancier, je suis quelqu'un de plutôt volcanique, hein, péléen. Hein. Et donc, c'est des choses qui surgissent. Et comme je l'ai dit, souvent les pensées viennent résumer des fois des semaines, des mois, voire des années de pérégrination intellectuelle, réflexive. Et donc, on est toujours dans cette
incomplétude lorsqu'on n'a pas encore trouvé le truc. Donc on mûrit, on refait le truc et puis subitement se fait jour, un beau jour, une pensée qui nous satisfait pour l'heure, hein, et on arrive à la garder parce qu'elle traduit au mieux ce que nous avons souhaité exprimer. Donc, ce processus de maturation, on le sent, parce qu'on peut avoir le sentiment de répétition. Mais chaque fois, la pensée est reprise, mais elle est plus élaborée, ou alors elle ajoute du contenu à ce qu'elle avait proposé précédemment. Oui, mais comme je le dis d'ailleurs dans l'introduction, c'est-à-dire que j'ai protégé l'ouvrage en 98, donc il y a quelques 25 ans. Oui. En 25 ans, on a le temps de revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais avec plus de maturité des fois aussi. Et donc, comme vous dites si bien, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il s'agit de répétition, mais qui trouve aussi une élaboration supplémentaire. Oui, petit à petit, ça. Là où on sent le mieux cette manière plus évidente, cette maturation, c'est... le rapport que vous avez avec la réalité politique de nous, nos sociétés. Oui. D'ailleurs, vous nous appelez les outre-merdes. Oui. Les outre-merdes. Les outre-merdes, c'est-à-dire que nous avons suffisamment de faits. Oui. Assez accablant, une empiricité lourde avec ce système colonialiste pour être encore aujourd'hui dans une espèce de fausse naïveté. Il y a une cruauté, il y a un cynisme, une déshumanisation qui jalonne notre rapport à ce système. Et cette déconsidération se traduit par exemple, vous avez fait état par exemple du chlordécone. Comment peut-on, en toute connaissance de cause, prendre la décision d'ainsi empoisonner une population et trouver le moyen de d'instrumentaliser la justice pour s'en sortir sans conséquence. Ça montre encore une fois ce mépris institutionnalisé, en fait. Et que nous, j'aime pas trop ce terme, mais je l'ai suffisamment signifié, résilience. Nous sommes résilients. À un moment, il faut dire stop. Quoi. Et puis la résilience, ça arrange toujours les humains. Oui, voilà. Donc, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons l'actualité avec, comme je le dis d'ailleurs, partout où la France et les siens se sont invités, parce qu'il faut bien voir qu'il s'agit là de pays parasites, prédateurs. Mais nous avons droit à quoi ? La déstructuration des sociétés. Nous avons droit à quoi ? À l'annihilation, à l'éradication des cultures, à la spoliation des richesses, mais aussi un vol de terre, hein, c'est l'actualité. Mais surtout, la récurrence, c'est le meurtre en masse des masses dites autochtones. Donc nous avons quelque chose qui perdure depuis plus de 5 siècles. Oui, vous parlez aussi du grand remplacement. Oui, depuis plus de 5 siècles. Donc nous n'allons pas encore une fois nous bercer d'illusions, voire... un poison reste un poison. Et je le dis, une gangrène, ça se ne soit pas, ça s'ampute. D'accord. Alors, outre-merde, domestication critique des mots, outre-mer et merde, véhément dénonciation plurielle, à la fois de l'endémique, de l'empirique, du viscéral, pas moins abyssal mépris de la France, de ses élites et d'une très large majorité de son peuple de souche à l'endroit des Outre-mer, mais également et surtout tout aussi impétueuse dénonciation de l'indécente indignité de ces mêmes ultramarins qui, malgré des siècles et des siècles de dédain affiché, d'avanie de plus en plus décomplexés, sans discontinuer, qu'émondent malgré tout, chaque jour, un peu plus servilement, un peu plus ignominieusement, une once de considération. C'est chez ceux-là même qui,
viscéralement, les méprise, les avilisse. Donc il y a ce regard, cette réflexivité que j'ai signalée dès le départ. Et puis, oui, ce coup de poing à nous et à l'autre, parce que l'autre ne fait ce qu'il fait que parce que nous sommes aussi, comme on le dit un peu, vous dénoncez, vous dites que vous haïssez les collabos. Oui. Et dans ce sens-là, nous sommes aussi, en acceptant que ce jeu continue. Mais vous mettez beaucoup les élites en cause. Oui, mais il est unanimement, universellement reconnu que toute domination d'un pays, d'un peuple sur un autre, passe immanquablement par la compromission, voire la corruption des élites. Alors, élites pas seulement politiques, parce que ça, c'est flagrant, quand nos politiques sont des traites de véritables, d'authentiques collabos, mais toutes les élites, élites intellectuelles, élites culturelles, alors pas tous, je ne dis pas tout le monde, mais je dis l'immense majorité de ces élites participent à la pérédisation de notre situation. Et si nous avons, alors c'est pas parce que vous êtes présente, vous savez l'admiration que j'ai pour vous, mais si nous avions par exemple plus d'intellectuels qui disaient les choses, qui de par leur assise pouvaient davantage dire les choses au peuple et ne pas justement sombrer dans cette félonie, dans cette lâcheté, parce que tout le monde voit les choses, mais personne n'a envie de se mouiller, de peur qu'un coup de fil, de faire un coup de fil de main annihile leur chance d'élévation. Donc, ça, c'est pas seulement chez nos politiques, mais c'est sur toutes nos élites. Quoi. Mm-hmm. Mais je tiens à dire, en adéquation avec ce que vous disiez à l'instant, c'est que Gandhi dit une phrase magnifique: nul ne vous rabaisse sans votre consentement. Nul ne nous rabaisse. Et donc, si nous sommes dans cette situation, et qui, je le dis, qui perdure depuis plus de 5 siècles, c'est qu'à un moment, quand même, nous avons une part. Mais est-ce que Sankara ne disait pas la même chose? L'esclave qui n'est pas capable de, je ne sais quoi, hein, de... Ah, c'est Lotché qui disait celui qui n'est pas capable de... Non, ça c'est Thomas Sankara. Oui. N'est pas, l'esclave qui n'est pas capable de... Enfin, de se rebeller. Oui, et ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Oui, mais Lotché a dit la même chose. Oui, mais Sankara l'a dit de... Donc de oui, mais tous les penseurs... Oui, mais on a, c'est-à-dire, en sociologie, on dit bien que... on est dominé, mais qu'on aurait une petite interstice de liberté et qu'il s'agirait d'écarter les barreaux. Mais la pression, parce que vous voyez les mêmes phénomènes en Afrique et chez nous, dans tous les pays colonisés par la France, et tout le monde dit, d'ailleurs vous le signalez bien, que la colonisation française est une forme. C'est la pire. Mais j'ai toujours dit c'est une forme, mais c'est la pire dans sa volonté. Oh, ouais. Elle est méchante, en fait. Il y a d'autres colonisateurs qui ont voulu piller, qui sont pillés. Oui, c'est le problème de la colonisation. Mais la France, elle est méchante dans sa façon d'écraser l'autre et de ne lui donner aucune chance de survie, ni même de respirer pour se dire « mais j'existe aussi, mais je suis quelqu'un, c'est vrai qu'on me vole, mais enfin, je suis quand même quelqu'un ». Eh bien non, elle vous vole, elle vous prédate, elle vous dénature, elle prend sa place. Mmh. Et vous parlez bien de l'assimilation dans certaines de vos phrases. On est dans, c'est quelque chose, dans toutes ces réflexions qui remettent en cause véritablement, qui interrogent, parce que vous êtes très dur avec un grand passage, je ne sais pas s'il faut le lire, mais vous parlez de l'assimilation, de l'assujettissement, l'asservissement et l'anéantissement, l'annihilation polymorphe du colonisé, de sa culture et de sa civilisation. Pourtant, sur l'échelle de cette abominable abomination, force est de constater que la colonisation française est la plus abjecte de toutes. En ce que, pour s'assurer la pérennisation de sa mainmise totale sur l'ensemble des richesses du pays hôte, qu'elle a, en parasite patenté, investi, en plus de la spoliation des richesses, entre autres immondes, abjections inhérentes à toute colonisation, contrairement à d'autres, elle a cyniquement toujours pris grand soin d'empêcher les autochtones d'accéder à tout poste clé de responsabilité. Donc ça continue. Oui, donc voilà, ce sont des pensées, mais celle-là, par exemple, elle est longue, elle fait pratiquement une page et demie. Oui, vous voyez, donc on est dans ce genre de réflexions qui sont à la fois
C'est ce qu'il dit, c'est des geysers, quoi. Parfois, voyage complet. C'est tristement vrai, mais c'est vrai un peu. Voilà, il y a des... Vous voulez dire quelque chose, Claudie ? Non, je dis que c'est vrai qu'il faut reconnaître que... Moi, souvent, dans les discussions avec ma fille, je dis, mais on subit trop, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que je crois qu'on est tous trop lâches. C'est-à-dire parce qu'on a peur. On a peur de perdre ce qu'on a déjà. Déjà qu'on se bat pour avoir ce qu'on a, alors on préserve, on garde. Mais c'est pour ça que j'ai une profonde admiration pour les gens qui se battent et puis qui ne sont pas nombreux. Chaque fois, je dis respect pour eux. Mmh. Et ils se battent pour défendre des causes. C'est, moi, il y a une chose qui m'insupporte, c'est les gens qui critiquent et puis qui disent « Ah oui, comme s'ils foutent le bordel. » Moi, je dis « C'est pas possible. » Oui, quoi. C'est-à-dire un peu comme disait Madame... Smiralda, comment une élue peut se permettre de dire sur un sujet aussi important que c'est matière à créer la zizanie, alors que bien au contraire, c'est pour montrer que ceux qui sont, comme je dis que je vous dis que j'exècre, mais au plus haut point, nos élus, parce que on ne peut pas être à ce point, on ne peut pas à ce point trahir les siens. On ne peut pas à ce point. Mais j'hallucine, en fait. Et puis, ils sont dans une démagogie. C'est-à-dire qu'ils sont installés. Puis il y a aussi le fait aussi, il faut aussi reconnaître aussi, comme on dit, nous avons les politiciens que nous méritons. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de personnes et leur permettre de faire carrière en politique. C'est que nous devrions les sanctionner, déjà. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, j'écoutais religieusement ce que Bernard disait. Et on sent à travers, en tout cas, les propos qui ont été lus, de la colère, du dégoût. Oui. On sent vraiment que quand il y a cette successive, ces mots qui se suivent, on sent le dégoût. L'exaspération. Et je trouve que c'est de manière anachronique, en même temps, les miens. Oui. Voilà. Donc, parce qu'il nous. Juliette en a parlé. Donc, en même temps, il y a ce combat de dire genre, vous me dégoûtez, quoi. Vous êtes mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ça, c'est une torture. Hein. Oui. Donc, est-ce que justement, on ne pourrait pas. On parle d'accouchement, l'accouchement n'est jamais facile. Oui, mais. Et si le mot est posé, c'est parce que c'est compliqué, c'est difficile. Ouais, c'est donc en fait, on a l'impression que se dégage cette ambiance de c'est pas vaine, hein, mais c'est on cherche. Ah ouais, en tout cas, c'est sûr qu'il faut lutter, ça va pas être facile. Exactement. On sent que on fait le constat que c'est pas facile, qu'en dénonçant ses comportements, ses attitudes, ce mot résilience qu'on aime bien fourrer partout parce que ça apaise tout le monde, mais en même temps c'est une manière de clore un sujet alors qu'il y a quelque chose, un tas de choses à dire derrière. Mais à travers, bon, en tout cas ce que j'ai lu, Juliette a bien voulu nous lire. Si je peux faire une synthèse de ce que j'ai compris, parce qu'il faudrait lire un certain nombre de pages, c'est qu'il y a ce constat, ce ressenti de dégoût et de colère qui est palpable, et en même temps de dire alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bouger. En fait, c'est électrochoc. Voilà. C'est un livre électrochoc d'éveil, de réveil, bousculer. Tout à fait. Et malheureusement, on n'est pas assez unis. C'est comme ça que je perçois le but de ce livre. Je dis que l'union fait la force et on n'est pas suffisamment unis. Au contraire, on se rivalise. Mais oui, mais c'est ce grave. On s'arrange. Là-bas, au pays du froid, nous divise pour mieux régner. Mais ça, c'est la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Et tant qu'il. C'est ça le but, hein. Et puis pour moi, la politique a toujours été ça. Mais moi aussi. Personnellement, la politique n'a jamais été ça. Cette politique. Vous connaissez une politique propre? Non. Est-ce que quelqu'un connaît au moins une politique? Je parle de la politique. Politicienne, oui. Est-ce oui. qu'une politique non, est propre? Non, ça on le elle sait. Elle est par définition sale. Oui. Et moi, mon proche environnement, familial, à chaque fois qu'on parlait, c'est quelque chose que j'ai toujours. Pas suspecté de dire dès que tu rentres dedans, tu te sales. C'est-à-dire que donc c'est pouvoir, terrible, hein, que parce que je dis qu'il faut que nous ayons des idées. Mm-hmm. C'est clair qu'il faut que nous les défendions, il faut que nous les exprimions, mais dès qu'on accède à un poste ou à
Vous avez le système. Oui, c'est ça. C'est le système. Parce que tout de suite, on nous coupe les ailes. Oui, c'est voilà. Le système. Donc, qui est là. C'est un peu dommage d'être porteur d'idées formidables pour un avancement. Et puis, dès qu'on en accepte, parce qu'on estime que ça va être le perchoir qui permettra de dire. On est absorbé par. C'est terrible, hein. Mais le système est là. Est-ce que c'est le fatal? C'est le système qui est là. C'est-à-dire que accéder à la politique, au pouvoir, c'est-à-dire que c'est comme un entonnoir. Un entonnoir. C'est-à-dire que à un moment, vous passez par un moule, alors moule d'obédience. Ça peut être de tel ou tel. Les sectes, toi, voilà. Et parce que c'est une mafia. C'est un cartel. Vous avez là des forces qui opèrent véritablement dans l'ombre. Et lui non. Alors lui ne pourra pas. Elle non. Alors surtout pas elle. Vous faisiez état de votre boycott, par exemple, sur telle ou telle enseigne, qui est inadmissible. Culturel. Oui, qu'il faut. À Fort-de-France. J'ai fait une séance. En Californie, non. Non, ils ont fermé à Pérignon, c'était prêt. Oui, mais Californie. Oui, j'ai fait une séance, deux séances. Là qu'ils ont refusé. Voilà. Non, mais pour vous montrer que nous sommes encore dans une société qui est cadenassée. Elle est cadenassée. Nous sommes captifs. Ce sentiment que vous avez, on ne peut pas faire. Qu'est-ce que Chelsea dirait sur ça? Tout ce qui a été dit, c'est comme disait ma mère, c'est les conversations que l'on a souvent. Ce que la France a réussi à faire, c'est de forcer ses colonisés à se dire, si je dois dire quelque chose, il faut que ça plaise aux colonisateurs. Ce que je dis a de la valeur que si le colonisateur me regarde et me dit, effectivement, j'ai écouté ce que tu as dit. Ça tu es autorisé à les dire. Exactement. Ça formalise énormément la pensée des gens. Et leur courage à s'exprimer. Du coup, ça met déjà un écart tellement grand sur le chemin qu'on doit prendre pour que les choses s'améliorent, que franchement, ce serait le début du travail, quoi. Donc, c'est-à-dire que les toutes petites communautés qui s'occupent de nous défendre, qui sont bien trop petites, enfin, il faut que les gens comprennent que le jour où les choses vont s'améliorer, c'est quand on va vraiment s'unir. Mmh. Ouais. C'est le nombre qui va faire que les choses vont changer. C'est le rôle des élus. Si on tombait sur un élu, justement, qui était c'est ça. Il aurait fallu qu'on ait un espèce de... Non, mais les élus s'inscrivent dans le cadre du système français. Les Français ne laissent pas des élus venir défendre les intérêts des populations locales. Parce que les élus sont juste les relais des politiques mises en place par la France dans ces départements, au lieu d'avoir d'être elle-même omniprésente, bien qu'elle l'ait à travers ses responsables, mais elle a besoin d'utiliser les locaux, entre guillemets, pour faire sa politique. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, j'ai peur que le temps nous manque, mais il est important que nous comprenions bien cette façon de gérer la lecture de ce livre, parce qu'il ne faut pas venir chercher un roman, ni etc. Il faut laisser... Au début, on a peut-être l'impression que, oui, ce sont des idées, voilà, on ne voit pas bien à quoi elles mènent, mais ce n'est pas ça qui est important, parce que même depuis le début, j'ai mis des post-it à quelques pensées qui me semblaient dire le collectif. Et on a un souci du collectif qui est très important chez M. Bernard, et il parle aussi de ne nous laissons plus abuser par ces béquilles dignes héritiers impunis de l'injection suprême. Donc là aussi, il attaque les élites, les couches, ces colons, descendants de colons qui sont là en toute impunité, protégés par le système, par l'État. Et puis nous, qui donnons l'impression d'être des esclaves, parce qu'en fait, on n'a pas d'horizon. C'est pour ça que j'ai signalé tout à l'heure que même si on se référait à la mère Afrique ou à une autre mère
pour d'autres communautés. On a pas. Mère Afrique est dans des tribulations terribles et elle attend, elle compte sur sa diaspora pour l'aider. Donc on a à comprendre tout ça et à comprendre qu'on n'est pas des victimes consentantes. Nous sommes des victimes de fait. Nous sommes captifs d'un système qui a travaillé pendant des siècles à domestiquer la pensée, à empêcher que les gens, que ces pseudo citoyens, parce que nous, c'est un papier, une carte d'identité qui fait de nous des Français, mais notre trajectoire ne peut pas être rapportée à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se rapportent à ça, et c'est inquiétant quand on dit français, on est Français, et ils vont se battre, ils vont se battre. Et je me rappelle un monsieur très important, grand écrivain en Martinique, qui disait aux Français, Raphaël Confiant, on est plus Français que vous, parce que nous, on est Français depuis je ne sais 400 ans, et vous en Savoie, vous êtes Français. Voilà des discours que produisent nos élites. Alors voilà, c'est plutôt inquiétant. Maintenant, on peut continuer pour... On va vous entendre un peu, parce que je pense que l'heure va nous rattraper. Maintenant, comment vous voyez... on peut revenir sur ça, parce que ce que je veux vous dire, chers auditeurs, téléspectateurs, c'est que il ne faut pas chercher dans le livre une histoire. Il faut juste voir. Donc, il y a un effort de réflexivité et tout passe passe à la réflexion, y compris le nouvel ordre mondial, l'homosexualité, tout ce qui est problème, qui fait problème actuellement, problème de société, comme il l'a dit dans son introduction, le livre est poli, on va dire polymorphe, il utilise le mot beaucoup, mais c'est aussi un livre qui est une sorte de tautologie. Vous aurez donc beaucoup, beaucoup de réflexions qui vont parfois se répéter, mais comme je l'ai dit, de manière plus ou moins développée, mais au bout d'un moment que vous avez parcouru plus de la moitié du livre, moi j'étais presque à la fin, vous aurez un sentiment, quelque chose qui va se dégager et qui va se fixer. Ah, et c'est ça qui est important. Le peu que vous avez lu, on a déjà une idée. Ça vous donne on est déjà un peu fixé. Enfin, moi, ça, franchement, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Oui. Ce que vous avez écrit, franchement, je le comprends parfaitement. Mais je pense qu'une personne qui découvre, déjà, elle peut être fixée par les passages. Oui. Et puis, il y a cette nécessité de ne pas nous tribaliser comme on le veut, mais de nous rassembler de revendiquer le continent comme victime de ce colonialisme féroce, plus que féroce, aux dents très acérées ou aiguisées, je ne sais pas comment le dire. Donc, il faut faire attention à ça. Arrêtez de croire que nous subissons un traitement de faveur de la part de la France. C'est vraiment la dernière. D'ailleurs, il parle beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup de gens, il dit dans beaucoup de phrases, il y a des gens qui prennent des illusions pour du savoir. Et donc, il faut faire attention à cette forme d'illusion. Et le fait que dans le système donne des privilèges à certaines petites catégories qui, très égoïstement, les défendent bec et ongle. On a pas seulement les élus qui profitent des grosses miettes, mais on a aussi dans la société dite civile des petites catégories qui est notre petite bourgeoisie et qui trouvent tout à fait à se satisfaire de ces miettes, parce que vous savez bien que la bourgeoisie dans toutes les civilisations n'a jamais été qu'une ramasseuse et une exploiteuse qui a utilisé les richesses produites par le peuple. C'est le peuple, le travail qui produit, pas les services qui produisent de la richesse, d'accord? Donc une fois qu'on a bien compris ça, on peut aussi aller dans le livre très librement, l'ouvrir, puisque vous n'êtes pas dans un roman. C'est pour ça que j'ai feuilleté les parties que j'ai pas eu le temps de lire à la fin, mais vous ne perdez rien en allant à la fin, revenant au début, etc. Parce que ce sont des pensées et au bout d'un moment, eh bien, elles deviennent elles sont un peu, comment on dit ça, elles prennent de la place. Non, elles sont là, mais c'est comme si vous aviez
une corbeille qui se remplissait tout doucement, et puis à un moment, bah, elle est bien pleine, et il y a comme une forme de saturation, mais positive, c'est-à-dire que vous comprenez la pensée de l'auteur. Voilà. Ce n'est pas des machins, des bribes jetées en l'air, et sans. J'ai dit que ça n'était pas hiérarchisé, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que l'auteur n'a pas une pensée. Et c'est en lisant, en allant au bout de son parcours, qu'on arrive à dégager ce sentiment que oui, voilà comment il pense. Oui, non mais c'est parfait. C'est parfait. Ben. Alors, on va maintenant discuter avec nos amis du voyage en Afrique. On va commencer par Chamsi. Oui. Dites-moi. Alors, ça a été un voyage qui a changé ma vie. Hein. C'est vrai. Le fait d'être sur le territoire, ça fait quelque chose. Mais ma mère m'avait averti. Elle m'a dit, quand tu vas arriver et te rendre compte que tu es là... En Côte d'Ivoire. En Afrique, en de Afrique, manière générale. Très bien, d'accord. Ça te fait quelque chose. Et oui. Effectivement, c'est un moment de... Ouais, c'est vraiment ça, c'est magique, quoi. Je dis, mon Dieu, mais la force que l'on a, le lien que l'on a avec cette partie du monde qu'on ne connaît pas, et qu'on nous cache... Et qu'on perd, on a un sentiment d'un gâchis. Ah oui, totalement. Oui, c'est ça. Et s'en rendre sur place et se dire, oh mon Dieu... Ça y est, j'y suis enfin, c'est là d'où je viens. Oui, c'est incroyable. Mais les ancêtres, c'est ça. C'était incroyable, c'était vraiment un moment très très fort. Et je sais que ça m'a changé. Au-delà même de ce qu'on a fait, du super voyage qu'on a passé, vraiment c'était super. Un petit groupe, mais c'était incroyable. Ça m'a vraiment profondément changé, quoi. Émotionnellement, mentalement. C'était. Ah oui, elle m'a dit, maman, il y a eu un avant Côte d'Ivoire. Ouais. Et un après Côte d'Ivoire. Ah, c'est formidable. Quand on était en Côte d'Ivoire, elle m'a dit, maman, je crois que c'est la première fois que je me sens aussi bien. Ouais. On était dans la chambre d'hôtel. Ouais. J'allais toujours dire, c'est incroyable. Toutes les fois qu'on mettait le pied sur le continent, il y a quelque chose. Vous êtes transformé. C'est-à-dire quelque chose d'une violence qu'il y a dans nos régions, dans nos sociétés. Tout d'un coup, ça s'évanouit. Et ce sentiment de violence, moi, je l'ai senti aussi. Je me suis dit... D'ailleurs, j'avais l'impression de peser des tonnes. Je me déplaçais comme une espèce de gros éléphant en me disant... Comme si, voilà, quelque chose était... c'est important de transmettre ces sentiments aux nôtres. Mais Maher, moi, j'ai mon fils, Maher, qui est musicien et qui voyage pas mal. La première fois qu'il est allé en Afrique, c'est au Ghana. Ah, oui. Et je me rappelle que je l'avais appelé pour savoir comment ça se passait, par WhatsApp, téléphone. Oui. Et il était tellement ému, il m'a dit, maman, quand j'ai posé mon pied sur le sol, il a dit qu'il a pleuré. Beaucoup de gens pleurent. Oui. Il a pleuré. Il a dit que ça lui a fait quelque chose, parce qu'il dit que quand je pense, il a pensé que... Je sais pas. Enfin, il a dit que c'était très très fort. Oui, c'est une expérience très très fort. C'est une expérience qu'on ne peut faire qu'individuellement, en allant sur le continent. Mais l'expliquer aux gens, c'est très compliqué, parce que il faut le vivre. C'est nous, il faut le vivre. Et c'est soit avec la rencontre de continents qu'on a tellement diabolisé que beaucoup de descendants, d'afro-descendants, refusent d'y mettre le pied et vont en Europe où ils se font insulter, où ils se font tenir à l'écart, où ils se font mettre dans des coins, dans des restaurants, où on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'être dans les piscines, patiti patata, et où ils ont pris l'habitude d'accepter ça comme allant de soi. De soi, c'est ça. Alors que là-bas, tout de suite, ils peuvent se sentir, je ne dis pas des rois, mais ils sont dans sentiment de chez soi. Voilà, moi j'ai l'impression, moi, le sentiment que j'ai, je suis comme un buvard. Oui. C'est-à-dire que quand j'arrive, il y a une espèce de truc, et puis c'est ça. J'ai peur de rien, je suis là, je suis chez moi. Tout chez toi. C'est exactement le sentiment qu'on c'est a. C'est chez soi. On est chez soi. Et quand on pense que, quand on réalise que tous les Noirs qui se trouvent dans le monde entier viennent de là, viennent de ceux qui ont été exportés, arrachés de leur continent, mais on se dit, mais c'est... Quelle histoire. Et je trouve que, moi, je ne sais pas, on est allé deux fois, moi, c'est après 40 ans, hein, on est retourné deux fois en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on l'a découvert de façon complètement différente.
Parce que c'est vrai qu'avec papa, maman, on était un petit peu dans un cocon, on habitait à Cocody, donc on était toujours, on avait nos copies, on était dans un coin bien sécurisé et tout. Et quand on a fait le camp, grâce à Popo, et je l'en remercie énormément d'avoir organisé ces voyages, mmh. où il nous a fait, c'était pas du tourisme. Il en fait d'autres d'ailleurs, dans d'autres pays. Les gens s'inscrivent s'ils veulent. Moi j'ai découvert, oui. grâce à Popo, véritablement la Côte d'Ivoire. Absolument. C'est-à-dire quand on va en brousse, qu'on appelle aller en brousse, c'est-à-dire oui. à l'intérieur du mmh. pays. Oui. Et puis même les gens, il y a une espèce de, les gens sont d'une humanité, les gens sont gentils, trop ils sont accueillants, accueillants. Oui. Non mais c'est incroyable, mais c'est pas que comme ça. Fort, hein. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que oui. c'est comme ça. Partout non mais je, Afrique. Parce que moi je connais, c'est en fait, ça. En Afrique je connais c'est que. Ça. Moi je leur ai dit vous êtes trop beaux, mais ils vous disent non, on va pas changer, c'est comme ça qu'on est. Oui. Ah non. Voilà, il y a quelques images de votre voyage qui passent. Ah oui, ça c'était à Mans. Ouais, c'est ça. Oui, c'est à la forêt sacrée des singes. Les singes sacrés. Et quel est le nom de ces singes-là? Alors là, je n'avais pas un nom particulier. Il n'y a pas de nom. J'ai vu les singes sacrés de la forêt. Mais en général, ça ressemble à des... Comment on appelle les petits singes? Je ne sais pas. En fait, des Ouistiti. Non, ce n'est pas des Ouistiti. Ils sont pas plus grands que des Ouistiti. Mais ils sont tellement adorables. Non, mais chimpanzés. Pacifiques. Ils ressemblent à des petits chimpanzés. On sent qu'ils sont plus que domestiqués. Là. Ah non, mais ils sont très, très agréables. Ils sont sacrés, donc ils n'ont subi aucune agressivité. D'accord. Donc ils ne voient pas l'homme comme un homme prédateur. Donc ils sont avec vous comme un chat sur la côte de vous. Ils se mimient comme tout. Parce qu'ils sont là et puis ils attendent gentiment. Alors, est-ce que Chelsea voulait ajouter quelque chose à cette expérience extraordinaire? Que chaque Antillais devrait choisir un pays du continent africain et y aller. Oui. Quelle que soit l'opportunité que vous avez de pouvoir partir en Afrique, il faut le faire. Oui. Il faut savoir, il faut arrêter de laisser d'autres personnes vous dire à quoi ressemble l'Afrique. Il faut l'expérimenter. Voir ce que le colonialisme lui a fait à ce continent, voir comment les peuples ont résisté, comment dans leur résistance il y a quand même eu... Ils n'ont pas, comme nous en Martinique, comme nous aux Antilles, dans tous les endroits où le colonialisme a existé, je veux dire, on est maintenu jusqu'à aujourd'hui dans des situations où on ne peut pas sortir la tête de l'eau et faire vraiment, enfin prendre du recul et regarder tous les problèmes, parce qu'on a les problèmes de tous les jours. La vie est chère, le problème d'emploi. Et en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc tout le monde est là à se bagarrer pour survivre mm-hmm. jour après jour, ce qui ne leur laisse pas le temps de vraiment faire c'est un ça. État des lieux de ce c'est qui ça. Se passe et de c'est réagir. Voulu. C'est voulu. Mais ça, c'est voulu. Exactement. C'est-à-dire que si les gens ne se rendent pas compte que. Maintien dans la précarité. Exactement. C'est un rouage, oui. on ne va pas s'en sortir. Il faut vraiment que chacun prenne du recul. La vie est raide, c'est sûr. Mm-hmm. Il y a des gens qui vivent plus des choses... Plus pour les Noirs que pour d'autres. Oui. Il y a des gens qui vivent des choses abominables tous les jours, mais là, c'est le moment, je pense. C'est le moment, ça ne peut plus durer. Mm-hmm. Ça ne peut plus durer. Aller dans des pays comme ça et voir comment le colonialisme n'a pas fait du mal qu'à la Martinique et à la Guadeloupe, qu'aux pays d'outre-mer. L'Afrique qui est... Et puis nous a divisés en nous disant que nous étions supérieurs. Mais c'est horrible, c'est abominable. Alors, surtout, je conseille et je motive les Antillais à partir en Afrique, mais par pitié, pas dans un élan de colon. Oui, par pitié, quoi. C'est-à-dire que c'est pas manifester la gangrène mentale qu'il y a dans les îles en Afrique. Vous y allez pour guérir, pas pour continuer à propager une autre état d'esprit. Parce que j'ai eu des retours de certains autochtones qui se sont rendus en Afrique et qui se sont comportés de manière... Les Français sont les gens les plus critiqués, détestés par le comportement arrogant à l'étranger, de manière générale. Mais nous, les nôtres qui vont dans la Caraïbe, se comportent comme des Français. C'est-à-dire que le vieux côté français, nous l'avons pris, le côté arrogant. On est sous leur domination depuis si longtemps. Oui, quel modèle avez-vous? Oui. Continuez. J'ai perdu le fil de ma pensée. Tu espères que l'Antillais qui voyage, viennent sur le continent avec l'objectif de se reconnecter à quelque chose.
pas de se justifier de oui, on vaut mieux que ces peuples, on a été sauvés par la France. Non, mais pitié, quoi. Pas ça. Parce qu'ils vont vous prouver que vous n'êtes dans rien. Et puis quel arrière-paysan. Non, mais c'est même pas qu'on parle. Là, on n'a rien. Exactement. On nous a tout pris. Le travail. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'estime, et je le dis avec beaucoup d'humilité, que je suis extrêmement fière d'être née en Afrique. Pour moi, c'est un privilège. Je vous le dis. Hein. Bien sûr. J'ai eu cette chance. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, les événements nous montrent depuis ces derniers temps, que l'Afrique se révolte positivement, mettant tous ces prédateurs dehors. Aux Antilles, on a encore de la soupe à manger. En expulsant ces collabos. Ils n'ont pas été déportés. Absolument. Ils ont subi la colonisation comme nous. Sur place. Mais l'Antille a été un Africain déporté et qui a subi la politique des habitations. De plantations. On est encore dans là-bas, il n'y a pas eu de plantation. C'est ça. C'est pas de la même façon. La société est complètement différente. Ce qui fait qu'en Afrique, vous sentez que l'Africain est beaucoup plus debout face aux Blancs. D'ailleurs, moi, j'ai observé lors de mon dernier voyage, qu'on appelle les Toubab. Il y a une sorte de force. On les appelle les Toubab. Oui, oui. Les Blancs, ils sont beaucoup plus réservé, beaucoup moins à l'aise, parce qu'on voyait aussi nos venus du froid. Ils sont très à l'aise aux Antilles, ils sont chez eux. Là-bas, j'ai observé pendant ces jours, ils me disaient, ils sont beaucoup plus, on n'est pas chez nous ici. Ouais. Même s'ils ont été colons, mais l'impact de leur colonisation n'est pas du tout pareil. L'Africain est face de lui. Tout à fait. Nous sommes corrompus, disons les choses. Oui, c'est ça. Nous sommes pas du tout dans la même structure historico-sociale, pas du tout. Tout ça pour dire que le fait d'avoir vécu mes 20 premières années là-bas m'ont permis de ne pas me toxifier. Je ne dis pas que l'Antille est toxique, mais d'avoir été mis à l'abri de ça. Ce qui fait que je vis ici depuis ma vingtaine d'années. Je suis arrivée ici à ma vingtaine d'années, puisque j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à ma vingtaine d'années. Il m'a fallu du temps pour bien comprendre ce qui se passait dans ce pays qui était celui de mes parents. Parce qu'on comprenait bien que pour moi, c'était exotique encore. Étant née là-bas, ayant vécu 20 ans, les Antilles, pour moi, c'était de l'exotisme. Mon père étant martiniquais, ma mère était guadeloupéenne, c'était de l'exotisme. Et cet exotisme que je nourrissais à travers ce qu'ils nous racontaient, de nos petits voyages aux Antilles, quand je l'ai vécu de manière plus pleine ici, je me suis rendu compte que j'étais pas une enfant du pays. Ça, franchement, ça a été un choc. Ce qui fait que ma première année ici, je suis repartie l'année qui a suivi. Ma mère, qui était encore en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, tu sais, je reste pas. Elle était un petit peu surprise, parce que c'était le moment, enfin, d'un retour dit au pays. Non, c'était leur pays, c'était pas le mien. Moi, je suis née là-bas. Vous m'avez conçu là-bas. Vous étiez des Antillais qu'on fait carrière là-bas, mais et la vie de mes parents et ma vie n'était pas la même. Jusqu'à cet âge-là, ce qui fait que nous avions, parents et enfants, un vécu et des conditions différentes. Et quand moi, donc, je lui ai dit je reste pas, et donc l'année qui a suivi, je suis repartie parce que j'ai trouvé compliqué le contact avec ce pays qui était le mien, de mes parents. Et je me disais non. Et c'est là qu'on voit le déracinement. C'est terrible. Et aujourd'hui, je constate que quand bien même j'ai pu m'acclimater, que je vis très bien ici, parce que j'ai appris les codes, je me suis développée naturellement mon environnement familial, social, professionnel. Mais l'Afrique, c'est comme si j'avais laissé ma mère, comme si je l'avais abandonnée. Et quand on y retourne en 2018, je vous avoue, j'ai fait une petite dépression à mon retour. Et parce que je me suis dit, comment j'ai pu rester une quarantaine d'années hors de voir ma mère? Qu'est-ce que j'ai foutu dehors? Non, mais je l'ai vécu comme ça, en disant, où tu t'es égaré? C'est vrai qu'entre-temps, j'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai un métier, j'ai créé une famille, j'ai trois enfants, j'ai pas rien fait. Mais c'était tellement puissant ce retour aux sources qui m'a... J'étais en question de décompression, quoi. J'ai dit à mes enfants, je repars. Mon fils cadet, surtout, me dit, qu'est-ce qui arrive? Elle va mal. Il m'a même joué un jour passé, tu vas retourner faire quoi là-bas? Mais ça va pas, tu as pété un câble. Non, mais c'était vraiment ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait une dépression en me disant, oui, mais c'est ça. Et depuis, donc, ce retour, je me suis dit, je vais y retourner.
Ça s'est calmé. Ma crise s'est calmée. Quand j'ai vu que Bobo refaisait un voyage, tout de suite, je lui ai dit, je suis inscrite, parce que j'attendais que ça, parce que c'est rassurant, même si on a des amis là-bas. Attention, on a des amis qu'on a laissés et qui sont toujours là. Et qu'on a retrouvés 40 ans après. Et aussi fort qu'on s'était quittés. Et c'est ce qui est plus ça. Et qu'on... Ça fait partie aussi de notre voyage, à chaque fois de se revoir. C'est intense et puissant. Et Popo a dit, parce que au deuxième voyage, comme on était en plus petit comité, la première fois, on était une soixantaine, on était cinq. Lorsque nos amis nous ont reçus, on a pu dire, on est avec des amis, on ne va pas les laisser lors de notre séjour, vous êtes à l'hôtel, mais on fait, non, venez avec vos amis. Oui. C'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Oui, oui. Et Popo dit, mais c'est formidable, des amis que vous n'avez pas vus depuis une quarantaine d'années. Ouais. Et c'est comme si on s'était quitté la veille. J'ai envoyé les photos où on est ensemble, on rigole, on est dans le bonheur de se retrouver. Je ne sais pas si Emmanuel a d'autres... En tout cas, c'est un bonheur je ne sais pas. Absolu. Je ne sais pas. Alors, moi, j'ai vécu aussi en Nouvelle-Calédonie et je ne sais pas si c'est le côté clanique qui préserve de l'invasion... néfaste du colonisateur, mais c'est vrai que il y a cette résistance qui fait que les valeurs ancestrales sont telles que comme on dit pas clapaba quoi, tu ne viens pas avec tes influences à la con et puis c'est toujours pas la dégradante. Voilà, c'est déjà autre chose. Et vous le dites aussi qu'ils ont tout avec par la violence. Mais qu'est-ce que alors moi je dirais rapidement. Oui. Alors moi c'est il y a une chose, enfin je c'est vrai que d'être née en Côte d'Ivoire, moi je trouve que c'est un privilège. Mon père, ça a été très important pour lui qu'on ne soit pas déraciné, parce que c'est un bon Martiniquais de Sainte-Marie. Ah oui, c'est quelqu'un de Sainte-Marie et puis, qui aime la terre, très attaché à sa famille, à sa terre. Et il s'est toujours arrangé. Je sais que tous les deux ans, on rentrait régulièrement en Martinique parce que c'était important pour lui qu'on ne soit pas complètement déraciné de la Martinique. Et c'est vrai. Bon, comme disait Viviane, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je suis rentrée en... Je ne sais plus en quelle année je suis rentrée. J'ai travaillé. J'ai commencé à travailler. Et c'est vrai que ce n'était pas évident au début. Parce qu'une mentalité très particulière. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi je vous dis, franchement, je ne fréquentais pas les Antillais. Parce qu'en fait, les Antillais, ils vivaient entre eux. Comme les Français. Et moi, il est hors de question. Et nous, on avait nos copines qui étaient ivoiriennes. On n'avait pas de copines ni blanchies, antillaises. Moi, je n'avais pas de copines antillaises quand j'étais en Côte d'Ivoire. C'était les copines ivoiriennes, mais des potes, des copines depuis qu'on est dans les classes. Le problème n'est pas d'être Antillais, mais c'est la mentalité. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et moi, je me rappelle que quand il y avait la fameuse amicale des Antillais, où il fallait à Noël aller dans la fête. Moi, je disais à ma mère, par pitié, j'ai pas envie d'aller. On nous obligeait à y aller, habillés en Antillais. C'est pas nous, c'est pas forcément là, dans cette communauté. Moi, j'avoue, moi, c'est un peu sur ma tête, sincèrement. Oui, parce que justement, je trouvais qu'il y avait une mentalité bizarre. Et j'avais quoi? J'avais 12, 13 ans. Non, mais même, je me rendais compte. Oui, et je me rendais compte de ça, cette espèce. Et je peux vous dire que même, je rappelle que les Antilles, les Ivoiriennes, nos amies, elles nous disaient, mais vous êtes super sympa, parce que dis donc, en général... Ils n'ont pas bonne presse, les Antillais là-bas. Ils arrivent comme le goulot. Mais c'est très triste, mais pour ma génération, donc je suis née à la fin des années 90, alors quand j'ai eu mon bac en 2013... Et donc en 2013, été 2013, je m'en vais pour faire mes études en France comme la majorité des Antillais. Oui. Et cet été 2013, il y a une vidéo qui devient virale sur Facebook qui montre des témoignages d'Antillais et d'Africains vivant à Paris qui commentent l'autre communauté. Donc on interview des personnes d'origine africaine sur les Antillais et les Antillais sur les Africains. Et je découvre dans cette vidéo que les deux communautés ne se supportent pas. Il y a du racisme. La manière dont mes parents m'ont élevée, du fait que ma mère soit née en Côte d'Ivoire, l'Afrique a toujours été l'Eldorado. Non, mais c'était même pas juste un pays bien, c'était... Oui. Waouh, mais tu verras quand tu pourras partir, tu verras comment c'est beau. Donc c'était quelque chose de merveilleux. Bon, et je vois cette vidéo et c'est... Bon, on a des Antillais qui ont vécu l'Afrique de travers, un peu comme les Français, avec les œillères et les stéréotypes. C'est la civilisation, c'est le gommage. Les stéréotypes, c'est ça. Parce que je me rappelle,
pour ne pas le nommer, celui qui dirige KMT, il a vécu justement parce qu'il avait un frère militaire. Eh bien, ce qu'il raconte de la Côte d'Ivoire, des femmes, comment les Blancs se comportaient avec les filles, comment ils se, eux-mêmes étaient, c'est horrible, horrible à entendre. Donc, les expériences sont diverses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on entende la vôtre et qu'on ne soit pas dans le rejet, parce que les Antillais sont des victimes, sont des captifs d'un modèle. Voilà. Et tant qu'ils n'ont pas voyagé, tant qu'ils n'ont pas ouvert les yeux et qu'ils n'ont pas compris que leur continent de référence reste l'Afrique, quelles que soient les références qu'on va leur donner, enfin artificielles, avec des constructions tout à fait, j'allais dire, abracadabrantesques. Ils seront dans cette erreur-là, mais beaucoup de gens changent. Et en France, il y a beaucoup, beaucoup de rapprochements donc, entre les deux communautés, beaucoup de voyages, même au Bénin où la mère vient de décéder. Il y a beaucoup d'échanges et de voyages et de dommages qui sont rendus. Donc, il faut espérer que nous... Développer. Et puis, voyager, comme l'a dit Chancy, absolument. Aller non, voir. C'est très important. Mais comment voyager, c'est ça aussi à présent. Avec respect. Ouais. Avec respect. Ce et n'est puis, pas l'Occident. Et puis que ça soit plus facile. Parce que je pense que la Martinique est là. Et puis que pour. Exact. On a le Sénégal là, qu'on est obligé de monter jusqu'à Paris, faire une redescendre. Non, pour remplir la bourse des Français. C'est voulu, c'est voulu. C'est voulu. Mais on a le même cas avec nos frères. On va devoir libérer. Non, on va devoir se séparer malheureusement. Je vais écouter encore longtemps. Merci beaucoup. Non, mais c'est au moins pour donner un avant-goût. Et je ne dis pas qu'on ne refera pas quelque chose où toute l'heure et demie sera consacrée à dire des expériences, mais j'ai demandé à beaucoup de gens qui ont des expériences dans d'autres régions où les Noirs se sentent à l'aise, parce que je sais, j'ai beaucoup vécu, voyager en Europe, je sais comment on nous traite. Faites bien attention. Ne prenez pas ça pour j'ai voyagé, j'ai vu. Non. Cherchez ce qui fait vraiment du bien, qui laisse votre personnalité s'exprimer et qui fait que vous vous sentez à l'aise. C'est plutôt ça qu'il faut chercher. Ne touristez pas comme les Blancs. Eux, le monde leur appartient et partout où ils sont, avec leur peau blanche, on leur ouvre, on leur déroule le tapis rouge. Mais vous, dès qu'on vous voit, même à 10 kilomètres, on ferme déjà la porte et vous serez dans des traitements forcément de sous-catégorie. N'acceptez pas ça. Voyagez, allez voir et puis là où vous allez vous sentir bien, ouvrez les yeux, soyez dans ce que disait Eliane, c'est ça ? Viviane. Soyez dans la modestie, observez, regardez, n'allez pas faire votre français dans les pays des c'est autres, ça. Vous n'êtes pas français, même si on vous a donné une carte d'identité. La carte d'identité n'est pas l'identité, elle est juste un document administratif. Donc je remercie DocTV pour sa patience, pour Manuela qui m'a tolérée avec mon dépassement. Je vous remercie surtout, vous trois. C'est vous m'avez prévu que c'était extraordinaire. Et là, je découvre que je suis frustrée parce que je dois vous dire, on est tenu par le temps. Surtout Chamsi pour nos ados, pour nos jeunes. Ouais. Il faudrait qu'on entende Chamsi. Merci beaucoup, Chamsi. Merci de nous avoir accueillis. Ah oui, une maturité et puis une clairvoyance. Ah non, on souhaiterait que nos jeunes sentent ce bonheur-là. Merci. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Mm-hmm. Nos jeunes ne sont mais pas. Mais moi, j'ai espoir. J'ai espoir qu'il le déclic est en train de se faire. Il faut que vous leur donniez le goût d'eux-mêmes, en fait. C'est ce que vous avez donné. Merci d'avoir été là. Merci, Patrick. C'est moi. D'avoir proposé ce livre. N'hésitez pas à le faire connaître, à le lire. Ce n'est pas un roman, mais des idées qui vont peut-être vous travailler la nuit pendant que vous dormez, parce qu'il aborde tout. Il est hésitateur, enfin il ouvre. Un éveilleur de conscience. Voilà. Attention. Donc merci à mes invités et puis à bientôt. Merci, avec autant de bonheur et puis profitez du mois de mai. Il y a plein de choses. Il est à nous, à nos ancêtres qui sont enfin reconnus pour ce qu'ils nous ont apporté. Ils nous ont laissé des choses qu'il ne faut pas que nous perdions, parce que notre société est en train de nous échapper. Donc n'allez pas claniser la société, renforcez-la pour que tous ses citoyens la préservent. C'est ça qui nous importe. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Merci à vous.